mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous sommes enfin à l'épisode final. C'était trop long. Nous sommes fatigués, mais nous ne nous laisserons pas faire. Encore une fois, l'épisode 9 était une masterclass. J'espère qu'on va rester sur cette dynamique. Je ne veux pas m'endormir dans mon plat. C'est parti pour le dernier épisode. Sauf qu'il fait chaud. Let's go. On a passé pas mal de temps avec elle. Oui. Oui. On a passé la soirée ensemble. Ton goût aussi? Waouh. T'as passé pas mal de temps avec elle. On a passé la soirée ensemble. Lui aussi, c'était l'homme d'une seule femme. Ah, je suis en train de comprendre ce qui se passe. Oh, ça me détruit. Elle a encore le maquillage de l'épisode 9. Elle s'est juste changée. C'est pas un autre jour. Ah, t'as voulu nous couiller, meuf. Tu veux pas lui parler, toi aussi? Si, si, j'ai bien besoin de lui parler aujourd'hui. T'as pas besoin de nous le dire, on voit ça. Je vais te demander de me laisser lui parler le premier. Bien sûr. Ouais, bien... Je suis un peu impatient. On fait la queue. Ah, vraiment? Ouais. Prends un ticket. Toi aussi. Pour moi, c'est casé. Je profite que j'ai le temps. Ah, il y a un ordre. Mais vas-y. T'es déjà allé au paradis 4 fois. Ouais. Mais tu connais même pas encore toute l'île. C'est que l'enfer a tout du paradis pour moi. Même pour les métaphores, pour les trucs, je vous jure, dire ça naturellement, c'est une dinguerie. Même pour rigoler, je l'aurais pas dit. C'est sympa d'être là tous ensemble. Ouais. J'en ai un peu ras-le-bol de ces rendez-vous en tête-à-tête. Même avec moi? Toi? Ouais. Vous n'êtes pas ici en vacances, hein? Non, Netflix va vous le rappeler. En fait, eux, ils mélangent tout. Des fois, ils font comme ça, ils sont en colonie de vacances. C'est pour ça qu'on s'emmerde. S'il vous plaît, saison 3, hein, je veux de la bagarre. Ça suffit, hein. C'est lourd, on dirait. Non, ça va aller, t'inquiète pas. T'as pas besoin d'aide pour les charger? Je gère. Les garçons n'y arrivent pas, j'ai dû les aider. Je suis pas comme eux, Selki. Oh, le BDG! Mais ça y est, on est à l'épisode 10 maintenant. Il a décidé de faire tomber son masque de BDG. Il n'en a plus rien à foutre. Il est prêt à envoyer ses poteaux au casse-pipe. Il est prêt à envoyer ses poteaux dans la boue. Les faire traîner comme un BDG. Tu n'es pas le coréen que tu penses être. Tu n'es pas le main character de Corée. Tu n'es pas ce coréen-là. Ah, oh, c'est toi. Ah, c'est tellement beau. Eh, ils vont tellement pas se lâcher, je le jure. Y a pas un monde où les deux ils finissent pas ensemble à la fin. Hein. Qu'à chaque fois qu'on essaye de parler, c'est un peu dur pour tous les deux. Tu trouves pas? Si. Ça a l'air moins naturel du côté de seul tout. Hein. Elle était plus à l'aise avec l'autre. Hein. À propos de votre combat dans la boue. Ouais. Oui. Je t'ai trouvé très impressionnant. Non. Je te l'avais pas dit? Tu m'as dit que j'étais impressionnant, mais pas très impressionnant. Oh, il voulait le trait! Il voulait le trait, il voulait le trait! Ah, j'aurais pas dû. Continue, continue. Tu vas fanfaronner. Ah, fanfaron! Mieux vaut que je me taise. Non, je suis un garçon très humble. Me mets pas de mauvaise humeur, par contre. Je peux être honnête? Bien sûr. Pour tout te dire, j'espérais que Jong-woo allait gagner. Mm-hmm. Mais je pouvais regarder que toi. Je pouvais regarder que toi. C'est pour ça que tu le regardes plus dans les yeux, hein. Je pouvais regarder que toi. Je te jure, me dis pas je t'aime, hein. Juste ça, c'est suffisant. C'est quoi pour toi déjà le plus important chez un garçon? Il m'énerve, ce mec, il m'énerve. Ouais. Je vous parle sérieux. Maintenant, on a appris à les connaître, ça va, ça fait 10 épisodes. Au vu du tempérament de cette go, là, son cœur est en train de lui parler vis-à-vis de Jong-woo. La raison pour laquelle elle a passé un si beau moment avec Jong-woo après ne pas l'avoir calculé aussi longtemps, c'est parce que son cœur avait besoin de la tendresse de ce type, malgré le fait qu'il en fasse un peu trop. Mais ses pulsions le renvoient vers Dex. Vous allez voir que la raison, dans cette situation, ne va pas l'emporter. Jamais! Parce qu'elle manque d'expérience. Hey, l'expérience est une bougie qui éclaire celui qui la porte. C'est mon expression préférée. Et toi, t'as fait ton choix? Moi? Non, pas encore. Je crois pas que tout soit encore joué. Non! Je dois voir. Non! Elle y croyait fort! Elle y croyait du coup. Dévastateur! Oh mon dieu! Eh, vous savez quoi? C'est bien fait. Elle va changer de camp. J'ai encore espoir qu'elle ne va pas aller dans ses bras. Il y a 2-3 trucs qui me tracassent. C'est à propos de mon travail. Je suis pas encore totalement posé depuis que j'ai quitté l'armée. Ah, youtubeur, c'est précaire. C'est pour ça que je me disais en venant ici que je veux rencontrer une fille qui ait une situation stable. Ça me prend du temps. C'est du jamais vu dans l'histoire. Oh, j'en voulais pour mon argent épisode 10. L'argent, je l'ai.
Attendez, est-ce que vous réalisez ce qu'il vient d'annoncer là? Il veut une meuf pour qu'on l'entretienne. Mais il a dit ça normal. Il est sûr de lui. Il a l'air de craindre de ne pas avoir assez de temps à partager avec elle. Merci. Elle a dit les termes. Il n'a juste pas le temps. C'est pas une question de situation. Voilà. C'est pas une question de situation. Il a pas le temps. Il veut pas s'engager. C'est tout. La toute dernière soirée. Notre dernière soirée. Il faut qu'on s'amuse. C'est un notre peu triste. Dernière nuit. On devrait traquer. Ouais, on trinque. À vous. Santé. Merci santé. À tous pour vos efforts. Merci. C'est notre dernière soirée. On peut enfin révéler nos âges et nos métiers. Wow. Je meurs d'envie de savoir. Allez, vas-y, oui, parle des youtubeurs. Personne ne sait rien de toi. Ouais, je suis la femme mystère. Alors, j'ai 26 ans. Oh. Actuellement, oh. Je travaille auprès d'une... Elle a mon âge. Je suis là pour toi. Vas-y. Agence en tant que mannequin. Oh. Je suis... mannequin. Je pose principalement pour des publicités. Je le jure. Oh mon Dieu. C'est quoi son Instagram, pitié? J'ai notamment travaillé sur des campagnes pour Sony ou pour BMW. Mais quel poulet! Mais quel poulet! Mais c'est une tismée! Ce n'est pas une coréenne! C'est une tismée! Wow, dis donc, sexy wow. Girl! Ah, sexy girl! Sexy. Baby girl! Ah, carrément! Oh my God! Moi, j'ai une question pour Youngjae. Qui tu as choisi le jour des premières impressions? Le jour des premières impressions, j'ai choisi... C'est Jang. Oh. Et qu'est-ce que t'attendais? Parce que le vrai poulet est là. The real chicken. You put it in the oil. Miam. When you do the crunch, crunch, crunch. When you eat it. J'étais assis à côté d'elle. Et j'ai choisi de voter pour une des filles avec qui j'ai parlé le premier jour. J'ai une question pour Jin Yang. Pendant le combat dans la fosse, quand on s'est affronté en tête à tête, est-ce que... Non, vous ne vous êtes pas affronté en tête à tête, il t'a tapé, c'est tout. À un moment donné, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Hein. Vous ne vous êtes pas affronté, t'étais juste là en train de faire le dos rond, en train de faire la boule, et lui, il essayait juste de te dégager comme une vulgaire merde. Mais comme t'étais qu'un gros pleurnichard, c'est lui-même, il est tombé. Tu te battais avec en tête le même objectif que moi? Bah bien évidemment. J'ai bien envie de savoir ce que t'as en tête. Carrément. Ah! Il a dit les termes. Ah! Il veut pleurer. Alors là mon gars, c'est l'adversité. T'as demandé, il t'a répondu. Y'a quoi mon gars? Pourquoi il pleure? Oh le duel. Mais ça tu le savais déjà? Bien sûr, il on savait. On pouvait le sentir pendant l'affrontement. On le savait sans avoir à se le dire. Alors pourquoi t'ouvres ta bouche? Pourquoi tu voulais que ça soit dit ici? Tu t'es toi-même mis le bâton dans la roulade. En plus, il te nargue, mais tu savais déjà. J'ai une question pour Sulky. T'as préféré aller au paradis avec moi ou plutôt avec Jang-woo? Les sujets qui fâchent. Ça, c'est brutal. Waouh. Il est pas arrivé les mains vides. Quoi, ah oui, il est venu armé. Vu qu'il a fait l'armée, t'as capté. Oh. Je vais devoir répondre no comment. Oh mais non, mais casse les... Ça fait 10 épisodes, tu fais pareil. Ah c'est bon, ça y est, elle nous a gavé ma gueule. Vas-y, c'est bon, ça y est. Je suis content d'avoir su être à l'écoute de mes propres sentiments. Je me sens reconnaissant, c'est le mot. Jang-woo. Il pleure. C'est le roi S, c'est un acteur. Mais c'est tellement un acteur. Mais jusque dans les dernières minutes, Jang-woo cry baby. Again and again. Ce n'est pas un homme. C'est seulement l'œuf qu'on retourne là pour faire les omelettes. C'est ça. Zéro dignité. Écoutez-moi bien. Elle va pas le choisir. Au moins, elle en a marre. Regarde la tête qu'elle fait. Putain. Tu penses que Sulky et Jin Yang vont finir ensemble? Ou bien... Je pense que ce sera Jin Yang, oui. Oh putain! C'est vers lui qu'elle va tendre. On a l'air d'être tous d'accord. Moi, je pense qu'elle va choisir Jang-woo. Sulky, tu bébé Daï. Hanbin, tu es le premier, tu peux y aller. À toutes, les gars. Je me dis que j'ai le droit de penser un peu à moi. Mais on l'a trop oublié. Mais une robe. Vraiment. Une mariée en bleu. Mais on l'a trop mis de côté, cette connasse. Mais ça va pas la tête. Jang-woo, c'est à toi. À tout à l'heure. Bonjour. T'es nerveux? Très nerveux, oui.
Chaque instant passé en enfer avec Solki, pour moi, a ressemblé au paradis. Bonne chance. Tu peux le faire. Ils savent très bien pourquoi ils ont mis Nadine juste avant elle. C'est quand Dex y va passer. Oh, c'est pour foutre le suspense. Oh, les bâtards. Saison 2, ils mourront pas. Yongjae, c'est à toi. Clark Kent. Allez, ça décampe. On sait très bien vers qui il va aller. June, c'est à toi. Lui, il va aller voir la type là. Ouais, il va aller voir elle là. Bien évidemment. On enchaîne. Je suis curieux de voir qui Jin Young va choisir. On devrait se revoir après tout ça. T'as été forte. Tu m'as un peu surprise à un moment. Tu vas pas pleurer, non? J'ai pleuré toutes mes larmes hier. On se revoit dehors. Je le jure, la fin. Même Messi ne met pas des feintes comme ça. T'es très élégante. Oh, merci. Quoi? Il reste? Quoi? On dirait qu'il reste. Quoi? Il reste avec elle? Attends, c'est ça? On s'est bien amusé. Ouais. C'était très sympa. Pour moi aussi. Je te soutiendrai toujours. Jusqu'à ce que tu réalises tes rêves. Ouais. Y'a quoi de drôle? C'est quoi ces rires? C'est quoi ces rires? Mais Seigneur des anges! Je crois que j'ai perdu! Pour tout te dire, avant ton arrivée sur l'île, je me suis sentie découragée, vidée de mes forces. Et je te suis reconnaissante de m'avoir libérée de ça. Elle va grave dire non. Non! Bon ben. On y va? Allons-y. Oh! Let's go! Oh! Allons-y! On y va. Tu viens, mon toutou? Eh, ça, je m'en remettrai jamais. Au moins, il fait beau. Merci d'avoir su trouver le courage de me parler. Je te soutiens dans ta démarche, tout comme tu as su me soutenir. Merci d'avoir été sincère avec moi, du début à la fin de cette aventure. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Qui que tu choisisses, je voulais que tu suives ton cœur. Merci de m'avoir choisi. Je tiens à te dire que tu es quelqu'un de très bien. Je souhaite quitter l'île de l'enfer avec... Jong-woo. Ah, je t'en fais! Désolé! Jong-woo. Le retour de la vision, je le savais. Ils voulaient trop nous induire en erreur. Maintenant j'ai compris c'était quoi votre technique. Oh, deux saisons que j'avais perdu mes pouvoirs. Waouh, il a suffi de la saison 2 épisode 10. Très grave. En fait, ça se termine en apothéose. Voilà, c'est surtout ça. Mais non, franchement tant mieux, c'est bien, c'est bien, c'est bien.